voulu pas aller à ses cours du matin, parce qu'en quelque part il sait que ça lui sert à rien. Il préfère s'aîner au salon étudiant plutôt que de se faire chier dans un prof en merde. Non, il fait sans ambition, un deck en sciences humaines, un peu avec qui l'on s'en trouve donner la peine. Il voulait être comédien, mais ses parents lui ont dit que c'était pas un bon chemin pour être heureux dans la vie. Il a pris une niaise pour rien dans ses études. Pour lui c'est de la foutaise, la crise de platitude. La seule chose qu'il a lu, c'est son équipe d'impro, où les pétards qui se fument quand il fait de la radio. Mais sa maman espère qu'il devienne avocat, qu'il fasse un bon salaire, un peu comme son papa. Et si tu es pas un con, c'est vrai que pour être heureux, pour vivre pour ses convictions et non pour celle de ses vieux. Pourquoi chercher un sens à toute leur COVID si tu vas tenter ta chance et mettre ton chemin dans la vie? Parce qu'au fond le fait plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir. Il y a son grand frère, un genre d'insignifiant vendeur de cellulaire, qui pense qu'il y a l'argent. Il lui dit cette valeur n'aura jamais de courage, parce que devenir acteur, c'est pas péter des nuages. Sa vie est toute tracée, il se pose jamais de questions. Oui, à l'entendre parler, c'est toujours lui qui a raison. Son petit cul sans balance, il sait que les gens bornés peuvent masquer leur impuissance en essayant d'écraser. Sa copine, une fille qui est super fine, qui au moins le comprend, il sait qu'il y a du talent. Elle était s'accrocher, continuer à croire qu'il sera peut-être accepté dans un conservatoire. Et que toujours l'option existe en attendant, faire la figuration dans les téléromans. Parce que pour vivre sa passion et pas regretter plus tard, faut bien comme de raison que tu commences à quelque part. C'est pour ça que demain, il va tout abandonner. Et on tient les crétins qui veulent pas l'encourager. Parce que c'est que le vrai plaisir, au fond, c'est de pas savoir quand on garde au fini. Sa petite histoire. Garder son esprit libre, trouver un peu d'équilibre. Pour le reste, il s'en fout bien, si tu as fait demain.